Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va, bienvenue pour un nouvel épisode sur Starfield. Encore un combat ici. On va voir ce que lui nous réserve. Il y a un juste à côté aussi. Oui. On va prendre les crédits. Ah. Oh, 3700 crédits. Ah, c'est des 6 def aussi. Oui. Ah bah, il y a 2300 mètres. On va aller voir. Non, du tungstène. Bon. Pas très intéressant tout ça. Bon. Ce qu'on va faire, donc on va continuer l'exploration d'Alpha Andraste. Alors, ici, numéro 2. Aucune faune, mais il y a de la flore. 0,37 de gravité chaude. Au moins un trait. Et il y a de l'hélium 3, du fer, de l'aluminium, du chlore, du benzène et du tantal. Enfin, pas de bâtiment notable. Il y a un trait, il y a quatre flores. On va commencer par là-haut, les cratères. C'est parti. Récolter des tas de matière organique ici. Oh, c'est pas mal en tout cas. Une bien jolie planète. Mais c'est bien, il n'y a pas d'animaux aussi, donc on sera pas emmerdé. Là-bas, une structure minière. Là, il y a du fer. Voilà. De l'alu. Donc, l'hélium 3, chlore et tantal. La vigne aviva. Tu peux courir dans la savane. Tu seras pas emmerdé. Là, le tantal, il manque plus que le chlore. Ah ouais, c'est vachement beau, hein. Donc là, il y a de la vigne encore. Là-bas, il y a un repère naturel à 1000 mètres. On a une grotte là-bas. Et un autre repère à 1000 mètres aussi. D'accord, la vigne viva là derrière. Voilà, la vigne viva, c'est fait et le biome est terminé. Du côté des cratères, bon. Et là le chlore. Ah, ici 100 mètres, il y a un autre repère naturel, mais un peu loin. 900 mètres. Ah, ok. Allons voir là-bas déjà. N'oublions pas, il nous faut des pommes de terre. Des pommes de terre et des pièces d'armure légendaire. Boom.
Ah, c'est la tourelle là-bas qui me fait chier. Ok, à quoi lui? T'es où? T'es là? Ah oh, putain, il se barre derrière, fait chier. Compris. Alors, je pensais qu'il était mort. Alors ici, alors on s'en fout du backshot. Alors 5, 3 plus 2. Ça pourrait être ça comme ça. Et ensuite celui-là. Comme ça. Et le celui-là. Oh, que dalle. Les autres sont à l'intérieur. Bon, on peut pas utiliser l'ordinateur là. Il n'y a rien dedans. 68 crédits. Un de moins.
coffre-fort maître. Alors 4-7. Donc c'est du 4 plus 3 automatiquement. Donc le 4 là passerait. Il pourrait passer là. Avec celui-là. Ensuite 5. 3 plus 2 toujours. Comme ça. Avec ça comme ça. Voilà. Ensuite 5, 7. Donc ce 4 là. Comme ça. Avec celui-là. Et pour finir. Celui-là comme ça. Avec celui-là comme ça. C'est bon, il est mort. Le coup de gorge. Ils sont morts. C'est pour les solstices, j'ai les solstices légendaires, donc ça je m'en fous. Que j'aille dans une mine abandonnée, il y a pas mal de combis. Donc j'ai encore un petit coffre. Alors 5-6. J'ai qu'un 1, j'ai du 2. Ça pourrait faire comme ça. Après j'ai 4-7. Comme ça. Avec celui-là comme ça. Et pour finir, 2-4-6-7. Donc il y aurait donc celui-là. Plus. Celui-là. Bon, 1021 crédits, c'est pas mal. C'est tellement satisfaisant, vous ne trouvez pas? Donc du coup, 5. Il reste ce truc-là.
j'ai pas de 1, donc c'est du 3 plus 2. Il reste 3 là qui fonctionnerait aussi. Mais est-ce que... Ouais, j'ai un droit aussi. On va tenter le droit. J'ai du 3 plus 2. On va tenter ça. Et après, celui-là, je dirais... Je tenterai ça comme ça. Comme ça. Voilà, ça serait ça. Il me faut, c'est des patates, pas oublier. Mets-toi pas devant, s'il te plaît. Tenue de cuir avec veste, je pense que j'ai déjà ça. Ok, go. T'avais jamais déverrouillé ça. Qu'est-ce que ça? Attends. Ah non, l'arme elle est dehors. Non, c'est bon. On va pas le déverrouiller. Ici. Là, je suis à 1000 mètres donc du point du repère naturel. 1100 mètres. 923 mètres. On va faire celui-là là-bas. Puis après, on ira voir la structure militaire. Allez, on va aller voir ça à 400 mètres. C'est bon. Du verre fermé par la foudre. Ah d'accord, donc ça c'est des crêtes conductrices. Ouais, ouais, ça, il y a des éclairs, non. C'est bien ça. Donc là, du verre formé par la foudre persiste dans des amas dendritiques autrefois exposés à des violents orages. Ok, alors, on va aller voir la structure militaire là. Peut-être une garnison de l'éclipse. On va voir ça. Ah non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est encore un camp d'entraînement de mes plateformes d'observation. Capitaine.
faire des crédits. Je... Ah, 25 conteneurs, c'est vrai, il y a ça aussi. Voilà. Je prends toutes les combis, je ferai le tri plus tard. Toxine. Crédit, ça, ok. Griveloup, on s'en fout. Lentilles, on s'en fout. C'est des patates que je veux, des patates. Il n'y a rien de plus ici. On va changer de coin. Donc on a fait donc là désert sablonneux, tiens. Oula, tempête de sable. Donc là on a l'enveloppe de vagabond. Encore là aussi. De vagabond, c'est bon. Et là, le biome est terminé. Il y en a une par biome. Une structure là-bas. Et une autre structure là-bas. Ok. On va d'abord voir la civile là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un vaisseau à l'île Muve. Ah. J'ai pas encore vu ça. Mais c'est un tout petit, hein. Ça transporte de... Transport de fret, ça. Vaisseau cargo. Bon, là, on pose civil. Bien intéressant du coup. On va aller voir la militaire là-bas plus loin. T'as la vache, j'ai l'impression de bouffer du sable quoi. Rien qu'en voyant le temps qu'il fait, j'ai l'impression que c'est moi qui bouffe le sable. Il y a un vaisseau qui atterrit. Bunker déserté. Voilà, il est parti. Une autre structure est à 500 mètres. On voit pas où il est le vaisseau là, tellement il y a la tempête est dégueulasse.
Les vaisseaux de l'éclipse là. C'est peut-être eux qui viennent d'arriver. Ouais, c'est eux. On les voit pas. Et on commence. J'ai eu. Et bien sûr, il se barre. Ne revenez plus. Cassez-vous. Ils sont tous les trois ici. À l'intérieur. De soins. T'as que dalle là. Et ici. Un Makshir en rare. Là, ils sont indépendants les deux niveaux. Des pommes de terre, je veux. T'as cette herbe ouverte. Après, c'est peut-être un effet d'optique. Pourquoi vous vous embêtez à transporter tous ces trucs? Ok, là y a rien. Pas assez trop de cours. Ah, même ça, c'est des conteneurs, d'accord. Nuggets alien croustillant. Je sais pas si j'ai ce plat là. Ouais, je les collectionne aussi, les plats. Une renégade d'espace. On est am right. Écrit comme ça, je sais pas si je l'ai. Paraît bizarre cette tasse.
Combien ils ont mineur avec veste? J'ai déjà ça. Bon, attends. Ce qu'on a eu là. Un nouveau objet. Bon, ça, je vais le balancer. Dans la tasse, la boule est bien orange. Celle-là aussi, on la vire. Allez, go, on y va. Le petit compte de structure de production là, on va aller voir ça. Mais c'est pas en prêt de se calmer. Hein. À 1100 mètres ou à 400 mètres. On va d'abord faire celle-ci. Après, on fera un virage rapide vers le vaisseau. Ah, c'est une station de gazoduc. On peut l'ouvrir. On prend les crédits. Encore. Allez. Là c'est bien, c'est qu'il fait plus de tempête. Et c'est pas mal aussi. La végétation, là j'aime bien. Par contre, on est arrivé à une usine Dockstar autonome. Il n'y a que des robots. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant ici. On va juste prendre le point, les 20 points, voilà. Allez, on va aller voir ailleurs. En tout cas, on a une bonne visibilité, hein. On voit là-bas le bunker déserté là-bas. Il a plus de 1 km. C'est pas mal. Donc alors. Donc on a fait le désert sablonneux. Ah, les montagnes, on les a pas faites. Où est-ce qu'elles sont? Je les ai vues. Ici. On a peut-être les deux dernières espèces ici de plantes. Vigne nébulaire. Vigne nébulaire, allez. La palmier de Rouva aussi. Ouais. Donc c'est bien ça. Vigne nébulaire. Allez. Donc une dernière. La dernière là. Voilà. Donc il y avait bien deux espèces de plantes ici. En tout cas c'est pas mal aussi. Les teintes sont vraiment très jolies.
Par contre, je vois pas de bâtiment à cible là-bas. Oula, 2 km. Peut-être pas y aller, hein. Un peu loin, non? Ah, peut-être quelque chose par là. À 1 km, une structure civile. Non, on va pas y aller. Ça fait trop loin, puis c'est qu'une structure civile. C'est beau aussi, hein, mais... cette teinte marron là sur un sol ocre, ça en jette. Franchement, ils ont fait un putain de boulot quand même. Y a pas à dire. On peut pas dire qu'ils aient fait de la merde au niveau des environnements. Ça, c'est indéniable. Arrive sur une planète boisée, pas sur les planètes mortes bien sûr, autrement que sur des planètes mortes, le taf y est. Qu'est-ce que je kiffe là-bas, une structure encore à 1000 mètres. Non, non, allez. On va essayer de trouver un autre point dans les montagnes avec des structures plus près. Il faut que je retrouve de la montagne. La montagna. C'est une petite zone là. Montagnon là aussi. Alors comment ça, on peut le distinguer ici. Là c'est la montagne, là c'est du désert. Et là, remontagne. Ouais, c'est cool. Allez, on va aller là. Ah, c'est quand même mieux. Une note à 600 mètres. Quand même pas mal encore de points de trait. On va faire la mine là-bas. Bon, la mine abandonnée. Là-bas, une autre à 700 mètres. Alors, ici. Donne-moi des patates. Ok. T'es mort. Toi aussi. Toi t'as rien capté. Dommage que le sniper ait pas plus de cartouches. De cartouches en réserve. Il n'est pas tombé très loin. Là-haut, normalement, il y en a un aussi qui doit être là-haut. Bon. On va aller voir celui qui est tombé là-bas déjà. Donc, ne laissez rien derrière vous. Tu aurais des gars d'espace, non? On ne prend pas.
Alors lui, hop. Ah, le couteau de poche, je l'avais pas encore. Je m'en fous. Pendule en sable. Pendule en sable. Tu m'en diras tant. Un petit coffre novice ici. Donc si je mets comme ça. Ouais, c'est bon, j'en ai un droit. Et ensuite, donc, celui-là, comme ça. Avec celui-là, comme ça. Voilà, on prend les deux. Casque de mercenaire en gravier place. On va le prendre. Tenue d'ingénieur grise. Maelstrom légendaire. C'est quoi pour... Inflige le double de dégâts aux cibles dont les points de vie. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. On regardera après. Bon, le fusil de chasse, je l'ai déjà. La panicine, je la prends. Yaourt, non. Donc, j'ai eu quoi alors? Le fusil là, le Maelstrom. Donc, ils disent. Inflige le double de dégâts aux cibles dont les points de vie sont au maximum. Provocation. Corrosif. Inflige aléatoirement des dégâts corrosifs et réduit l'armure de la cible pendant environ 6 secondes. Marabout portant. Transforme les munitions en projectiles à dispersion. Ok. Ça mérite peut-être d'être amélioré ça pour voir ce que ça donne. C'est tous des bouquins, mais je les ai déjà refourgués pour la plupart et les autres elles n'en veulent pas. Donc,
Allez, on y va. Attention, je suis programmé pour privilégier l'exécution de mes tâches et non la sécurité des humains environnants. Alors, kit de soin. Ça suffit les petits jeux. À l'attaque. Regarde-toi maintenant. Faire la peau. Ah, t'es très mal caché, toi. Lui c'est pareil. Des noobs. Alors lui. Regardez s'il y a des armes ou des munitions. T'inquiète pas. C'est ce que je regarde en premier. Il est où le quatrième gars là? Ah, ils sont à deux là. Je l'avais pas vu, il était planqué en dessous du mec. Ah, c'est pas ici qu'il y a toutes les tenues. Un Equinox légendaire, je prends. Peu importe les... Ça y est, 25. Peu importe les stats, hein, c'est juste pour moi les mettre en expo. Du moins qu'ils sont légendaires. Tout ce tas de fouillis que vous transportez vous ralentit sérieusement. Merde, il est où le mec? Il est disparu? Il est tombé ou bien? Encore deux. Ils sont là quelque part. Ha, tu vaux rien. Boom. Ah ouais, c'est plus dur. Ouh, bah, il tombe en pleine dedans.
On préfère s'enfuir, hein. Alors lui. On y va. Ok. Alors il y a lui là. De nouveaux éléments à ajouter à votre collection peut-être. D'urgence. Et il faudra du voile blanc aussi pour les recherches. J'ai pas pris encore ça. Ici, hop. Ah, allez, on prend. Mais non, je voulais pas du coup boulon. Donc l'équinoxe en légendaire, donc c'est quoi? Frénésie. Provocation, le point de vue son maximum, double dégâts, corrosif face avec même que tout à l'heure. Et frénésie, légère chance de plonger la cible dans un état de frénésie. Pas plus 54 de... Ah, c'est pas mal. Des chances d'améliorer ça. Mmh. 5. On expert. Donc avec celui-là. Il pourrait aller pour le dernier aussi. 3. Ça fait 4 plus 1. Est-ce que j'ai un autre 4? Non, j'ai aucun autre 4 qui fonctionne. 3, j'en ai un. Mais est-ce que le 2? Le 2 fonctionne pas. Donc c'est pas du 3 plus 2. Donc c'est bien celui-là. Sinon, il n'y a pas d'autre 4 qui fonctionne. Donc c'est celui-là. Plus celui-là. Ensuite, 4, 6. Donc on a celui-là. Faut que je trouve la bonne position comme ça. Mais il n'y a pas de deux séries comme ça. Donc c'est pas ça. Donc c'est celui-là. Comme ça.
plus celui-là. Et ensuite, pour terminer, 7. Donc celui-là, sûrement. Et après celui-là. Ok, cocktail d'antibiotiques. Crédit, kit d'urgence. Je vais virer les hippolytes, je vais prendre des paramours à la place. Parce que la dernière fois, lors du live, l'hippolyta n'a pas du tout fonctionné. Hein. Avec le mec pour réduire le prix de l'astromoteur là, qui m'a coûté 40 000 crédits. Là. Alors, le hippolyta il a absolument pas fonctionné. Kit d'urgence. Donc on va remédier à ça. Je vais virer les Hippolyta, prendre que du paramour. Et on sera bon. Alors ici. Merci un robot hein. Il a servi à rien. Et comme il disait, il n'était pas du tout programmé pour protéger. Mon précieux pour financer une si grosse exploitation. Allez, on se casse. Le vaisseau est là-bas. On va aller voir la structure militaire derrière. Là-bas, c'est à 100 mètres. On va devoir déjà voir celle-là. Ok. Il n'y a pas grand-chose ici. C'est juste une petite structure, sûrement une station de gazoduc. Ou même un chantier peut-être. Ouais, c'est bien un chantier. Allez, on va aller voir ici la structure militaire. Alors, on est juste là. Des spatiales. Je crois qu'ils descendent d'ici. Ouais. Oula! Y'a le feu! Y'a le feu dans le vaisseau! Comment ça se fait, ça crame? Et du coup, il a pas redécollé.
Sonne, mon dénon. Comment ça... Pourquoi ça a cramé comme ça? Ça va être notre petit moment cocasse, numéro 4. Bon, il a pas décollé, c'est déjà ça. Tuer l'équipage. Ok. Un mythe spatial, 94. Ok. Oh, casque. Chasseur de tête. Je prends. Si vous voulez fouiller, faites vite. Calibre, tac. Ok. Il n'y a rien de plus. Réservoir magnétique, on s'en fout. Pas de la bourrasque, c'est du voile blanc qu'il me faut. Station relais désertée, ok. Vous allez crever. Crever. Ah, ah, bon. Ça a été vite. Un coffre de la gale banque là. Cool. 4383 crédits. C'est toujours ça de prix. Oui, t'es mort. Allez, on se casse. Je regarde si j'ai pas d'autres biomes dans le coin. Non, bon. On va changer de planète. On va aller sur Alpha Andraste 3. Là, il y a des animaux. Avant-poste scientifique, avant-poste... Ah non, avant-poste civil. Station de fracturation hydraulique, laboratoire biotique, station relais désertée. Ouais, il y a des points d'intérêt ici. Oh, par contre, à 44 de gravité tempérée. Oh là là. Alors, de l'eau, du plomb, de l'argon, du chlore, de chlorostylane et du xénon. Au moins un trait. Combien d'animaux, combien de flore? 11 animaux. 5 flore. Un trait sur les deux. Biote psychotrope. Et le dernier, on sait pas. Ah bah, ça promet. Bon. Donc on va se mettre là, dans les dunes gelées pour commencer. Bon, je pense que cette planète, on va la finir demain. Parce que, vu le nombre d'animaux qu'il y a sur cette planète. Donc l'argon ici. Une structure là-bas, une grotte. Ici, il n'y a pas de flore. Par contre, il y a des animaux. Des tricornes, brouteurs. Là-bas.
Et combien y a-t-il d'espèces? Combien y a-t-il d'espèces dans ce biome? Donc là, on a de l'eau. Je pense qu'il y a peut-être que du tricorne. On voit qu'il y a une petite bestiole là. Aussi, petite bestiole rampante. Oh la vache! Comment elle se fait attaquer? Carnage. Du coup, c'est bon, on a trouvé la première espèce. On l'a fini. Et non, il y en a encore une. Ouais, il y a encore un qui est là-bas, qui se balade. On a peut-être tué ses parents. Hein. C'est vous qui allez transporter ce truc dégueulasse, hein? Ah ouais, t'inquiète. Je prends que les trucs rares. Enfin, qui sont pas trop. Les stimulants adhésifs, pigments, j'en ai plein. Alors, on continue. Il y a bien du trident ici. Donc là, il y a du plomb. Ah, par contre, il y a des tricornes morts. C'est pas les tridents qui les ont tués. Hein. Ah, il y a des cache-gueules, c'est bien ce que je pensais. Et là-bas, il y a un trident charogne. La structure minière là-bas. Voilà, quand des bestioles notent par terre. Donc les tridents, on est bon. Il manque encore les cache-gueules ici. Ah, ici on a. La chlorocylane. Il manque encore les cache-gueules et puis on sera bon. Je pense qu'on sera bon ici. Là-bas, une structure, là-bas, repère naturel. Ah, des cache-gueules ici.
effondré. Créer ici du bourbon et du chlore, on s'en fout. Faut pas aller à l'affrontement. Là, on est bon au niveau des animaux. Par ici, on est bon aussi. On va à la structure scientifique là-bas. Allez, c'est cool. On y va. Alors, laboratoire bionique abandonné. Mais alors, j'en peux plus de tout ça. Fou. Allez, qui c'est? C'est la flotte écarlate ou c'est... Ah, si vous voulez des belles tasses Terra, des mugs, c'est ici qu'il faut venir. Ouais, je vais virer les paramours. Enfin, prendre les paramours à la place. Virer les Hippolyta. Costume tendance, tiens, j'avais pas encore eu ça.
Un costume tendance. Ça, c'est sûr, je l'ai pas. D'urgence. Qu'est-ce qu'elle a à se plaindre encore? Allez, on y va. Ok. Jupe noctambule de néon. Dénomination, je sais plus. Voilà. Ok. Ici sur le mur. Kit de soins. CQBX, on s'en fout. On y va. Ouais, il y a un mec qui est en train de fouiller normalement là, juste derrière. Voilà, toi t'es raide. Un cadavre n'a plus besoin de rien dans notre monde. Cartouche, kit de soins. Vas-y, passe. Oh. Ah, je presque. Ah tiens, petit kit de soin. Tenue de service de la marine coloniale. De soin. Alors, on recommence. Là-dedans. À la glacière, il y a une combinaison. Transporté à cette bazar. Très bien. Fille de chasse du vieux monde. Déjà. Ils sont là. Ils sont là. T'as pas choisi le bonjour. Et pourquoi tu y vas tout? Ah, c'est le robot qui est détruit. Je vais crever. Toi, t'es mort.
pas mal finir pour toi. Allez, au revoir. Alors, quelle urgence ? Rien dans les casiers. Le réostato, on s'en fout. De ce cratère, j'en ai déjà. Comment ont-ils fait pour nous trouver, tiens? Et on nous avait promis que cette opération était secrète, alors comment la flotte écarlate a pu nous trouver? Ils nous ont raconté des bobards, ils nous ont dit que ce qu'on voulait entendre, ils nous ont garanti qu'on serait en sécurité, que les pirates ne sauraient jamais où on était, mais tout ce qui les intéressait, c'était ce stupide projet. Maintenant, la flotte nous a coincés, on va tous mourir pour des recherches censées rester confidentielles. D'accord. Je sais pas si j'avais déjà récupéré ça. Alors ici. Je m'en fous. Alors, on a du quoi? 4, 7. On a du 4 plus 3. Donc ça serait comme ça, plus celui-là. Ouais. Voilà. Et ensuite, 3, 5, 6. J'ai 2, 2, 3 comme ça. Ah bon. Ça serait un comme ça et puis un comme ça. Ah, Mugshot en légendaire. Cool. Allez, on continue. Sont tu m'énerves. Bière brune. Ok. Hop. L'ampli. Ok, bon. On va descendre. Boum. Vous trouvez quelque chose? Bon, ouais, ça va de rouler sur cette pauvre victime là.
de soins. Ah, le paf paf, je l'avais pas encore, je vais le prendre. Bourrasque, non, c'est pas ce que je veux. Ça va avoir fini avec les pommes de terre, mais vu qu'il faut que je fasse. Voilà, je disais, il faut que je fasse pour la mission, il me faut des pommes de terre. Du coup, bah, on est reparti. J'ai la poche en cuir. Ça me dit rien, ça. Donc là, on a tout fait, on va aller voir là. Encore du monde. Donc, alors, 2, 4, 6. Donc, le 4 là fonctionne. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai un 2 comme ça. Et ensuite... Donc, j'ai un 2. Ouais, c'est bon. 2 comme ça et 2 serrés. Rempli, crédit, kit de soins. Il est temps de gagner ma vie. Oh, ne relève pas surtout. Il reste pas devant moi. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. Ben, par amour, on prend. C'est parti. Ah, tenue de colon. Non. Oh, j'avais pas vu là. C'est un robot de la flotte écarlate. Ah d'accord. Il y avait un robot. Ah, j'ai jamais fait attention qu'il y avait, qu'ils avaient aussi des robots. Calibre 27, on va prendre la clé d'accès. Il y avait quoi déjà dans... Frontalière, j'ai déjà, je crois. Ah, ça, c'était ok. Si on le retourne. Allez, on se casse. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire à 700 mètres. Ouais. On va faire celle-ci à 700 mètres. Hop, du chlore. Il ne manque plus que...
Qu'est-ce qu'il manque encore? Le plomb? On n'a pas trouvé le plomb encore. Non, c'est le xénon qu'on n'a pas. Ok, ça coïncide d'exercice. Allez, gazoduc à renommer. Démerdez-vous. Signe de vie à 1500 mètres. À 1000 mètres. Allez, on va voir ça, puis après on ira voir la structure à 700 mètres là. Ah, là, le deuxième trait. Filtre l'air et le sol à la recherche de nutriments et transmettre des informations sensorielles à la colonie microbienne. Colonie de microbes Centurion. Ok. On va aller voir ça. Allez, on va aller voir là-bas. Solaire. C'est suffisant. La mallette, il n'y a rien dedans. Ah, il y avait quelque chose de valeur. Citron vert, on s'en fout. Je l'ai déjà. Les crédits, ça on prend. Le polytextile, je le prends. Ah, il a réussi à rentrer lui. Voilà, plus du céleri ici. Ah merde, c'est des oignons. J'en ai pas besoin. Ah, c'est joli ici.
bah le lever de l'étoile là. Pas mal du tout. Là-bas. Alors ici, 78 crédits. Allez, encore ici, agent métabolique. Non, je m'en fous. Pareil, alcan et agent métabolique. Encore une caisse là. Il y en a partout des caisses. Bien sûr, c'est pas intéressant. Oh non, encore des robots. Un site de stockage. C'est tous ces mêmes robots. Ok. Hippolyta, non, je le prends pas. Là, ici. Plutonium, non. Deuxième colon ici. Bon, c'est bon. Signe de vie là. Et là, c'est un repère naturel. Ils sont un peu loin. Naturel, ça fait 1600 mètres quand même. Bon, allez, on va changer de coin. Donc là, on a savane 0% ici. Allez. Ah bah. Sans chercher, je l'ai trouvé, l'exélon. Là-bas, il y a une structure. Là-bas aussi. Là-bas, signe de vie. Là-bas, signe de vie. Là-bas, structure. Voilà, c'est quoi ça? Des Léonursa. Léonursa. Nouvelle espèce, ça. Plante de pain des abysses. Herbe crache sang. Oh, il y a des petits couteaux. Oh, zut. Ah, des filichines. Allez, même du carboclic. Du sergueul. Ok. J'espère que t'as pas peur de... Waouh. Oh, le bruit que ça fait. Trois paires d'yeux. Ok. Ici.
ici. Léonure, ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi les buts? Ils faisaient rien là. Ils faisaient rien, ils étaient tranquilles. Donc ça, les filicines. Carboclique, la taille du truc. Il m'attaque pas. Ah ouais, il s'en fout. Allez, ce qu'il veut tuer, c'est le filicine. Allez, viens, viens, Sarah. Viens, chérie. On y va. Ça, ça, c'est facile. Sergueux ici. Léonure, ça. Ah, c'est les Sergueux qui sont tués par les Léonure, ça. Voilà, l'œil. Là, c'est bon. Faudrait que j'aille voir les repères naturels. À mon avis, c'est ceux-là, le deuxième trait. Carabouclic, il nous manque encore. Voilà. Attention à toi, Sarah. Allez, nous, on continue. Ah, là-bas, encore les bulbes à sucre. Des plantes plein des abysses aussi avec les bulbes à sucre. On va aller voir là-haut. Ah, encore des sergueules aussi. C'était la dernière espèce de la zone. Quand les bulles bassent. Wow. Putain, le bruit que ça fait quand ça meurt. Allez, on va y voir là-haut.
pose industriel. Ok, bon. Bon, pour l'instant, on va cesser là-dessus, les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour rater une vidéo. Et on se donne rendez-vous donc demain pour continuer l'exploration. Ah, il y avait ce souci là-bas. Ouais, donc pour continuer l'exploration, donc on va aller voir ici les gars de la flotte écarlate qui sont là, leur régler leur compte. Et après, on cherchera la dernière plante là, la bulbe à fleurs. La bulbe à sucre, pardon. Et après, on sera tranquille. Et d'ici là, portez-vous bien, bisous, bien, prenez soin de vous, de vos proches. Allez, ciao, ciao.